Salut à tous, bienvenue dans le loft de Nono. Ouais, j'ai la voix un peu enrouée, c'est l'hiver, garde de tout. Bienvenue dans le loft, aujourd'hui je vais vous proposer une recette hivernale pour réchauffer le corps, le cœur, l'esprit, mettre de la bonhomie dans la vie. Et avec 3-4 ingrédients seulement, je vous propose un velouté de potimarron avec une crème fouettée à l'amande grillée. Ouais, j'ai pris ce qu'il y avait dans mon placard, ce qu'il y avait dans mon frigo et je me suis dit pour cet hiver, je vais me faire un kiff et je vais réchauffer mon corps et mon cœur avec ce velouté de potimarron. Mais attention, hein, impossible n'est pas nono, je vais vous montrer comment réaliser un velouté de potimarron hors norme. Simplement effectué, pas de prise de tête avec très peu de matériel. Alors, pour ceci, on va prendre le potimarron qui est ici. Le potimarron, d'accord, comme c'est une courge, cucurbitacée, hein, cucurbitacée. Ce goût particulièrement prononcé sur le marron, la châtaigne, c'est pour ça qu'on l'appelle le potimarron. Nous avons aussi la courge butternut, hein, au goût de beurre noisette, exactement comme son nom l'indique. Mais moi j'adore le potimarron, pourquoi? Parce qu'il est épais, parce qu'il est suave et qu'il rappelle un peu la châtaigne. Alors, très simplement, on va faire ce velouté de potimarron. Regardez, pour ça, il faut un potimarron, un oignon, un peu d'ail, une échalote, de l'amande et de la crème liquide. Wouh! Pas cher. Et là, vous avez à peu près pour 6 à 8 personnes, sans rien. Sans rien, 6 à 8 personnes pour faire donc un velouté de potimarron avec de l'amande grillée en crème fouettée. Comme quoi, avec rien, on peut se régaler. Alors, la technique est très simple, parce que vous avez des recettes de potimarron partout. Ça, c'est tant mieux. Mais la mienne, elle est particulière, parce que ce potimarron, je ne vais pas le cuire dans l'eau. Non, 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 je vais économiser de l'énergie. D'accord? Donc l'énergie, c'est quoi? Je ne vais pas mettre de litre d'eau ou du bouillon. D'accord? Je vais utiliser ce potimarron, je vais le cuire au four, avec la peau. Ouais, ouais, parce que je sais que chez vous, le potimarron, vous l'aimez tous. Quand c'est les autres qui préparent pour vous. Parce que vous dites que la peau, bah, il faut l'éplucher. Et c'est compliqué. Alors moi, je vais vous montrer que cette peau-là, celle-ci, hein, du potimarron, vous pouvez la manger. La butternut, non. Le potiron, non. La courge, la peau du potimarron, vous pouvez la manger. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez prendre votre couteau, votre plus beau couteau, qui n'est pas lavé ou la vaisselle. Vous allez faire, hop, les petites incisions. Voilà. Ça, le cucu, la tête, on ne mange pas. Hein. Voilà. Ensuite, on va couper le potimarron. Là, on fait très attention. Vous avez vu la main, elle bloque la lame. Ouvert, bim, comme ceci. Oh, c'est trop rapide cette recette. Une blackouze. Hop. Et là, on va vider le potimarron. Ça, les pépins, on pourra faire autre chose. On peut faire, on peut les laver, les pépins, les faire griller. On peut faire un granola. On peut faire même juste des graines comme ça qu'on met sur les salades. Là, pour l'instant, je vous montre la recette du velouté. Donc ça, on garde. Hop, on met ça dans la poubelle. Voilà. Voilà. Regardez ça. Pour l'hiver, un bon velouté de potimarron. Rapide, simple à réaliser. Et surtout, on n'a pas besoin de l'éplucher. D'accord? Voilà. Donc vous prenez ça, on met ça là. Et regardez, hop, d'écartier. Ouais, ouais, vous rêvez pas, j'ai pas épluché le potimarron. Regardez, tac, là, on est mince. Tac, regardez ça, c'est rapide. Ça, on va passer ça au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Alors, n'oubliez pas chez vous, hein, plus vous coupez fin, plus ça cuira vite. C'est logique. Et là, je vous fais la version express du velouté de potimarron. Version, je suis pressé, j'ai envie de manger. J'ai les enfants qui pleurent. Hein, ou j'ai des invités qui arrivent et j'ai pas eu le temps de faire à manger. Voilà. Hop. Ça vous sauve. Ou alors le dimanche. Voilà. Ou alors le vendredi soir. Voilà. Regardez ça. Hop. Ça, c'est le plat automnal, hivernal. Dès qu'il y a les premières baisses de température. Hein, les températures qui descendent vers 3 degrés. Voilà. Le temps qui est un peu maussade. Voilà, hop. Donc ça, ce produit-là, le potimarron, on peut le marier avec tout. C'est ça qui est formidable. Hein, on peut le marier avec des fruits de mer, des coquillages. Moi, je faisais un velouté de potimarron avec de l'araignée de mer, d'accord? Ou avec des tourteaux, un émietté de tourteaux, un petit sablé breton au gingembre et à l'estragon. Voilà. Je peux vous dire que c'était régalable. Et là, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça va apporter la peau? Donc la peau, il y a des valeurs vitaminiques dessus, ça on le sait tous, d'accord? Mais surtout, c'est que ça va amener une consistance, une nuance. Donc là, il est très orange et le mien, le velouté va devenir très brun, d'accord? Mais vous allez voir la capacité du légume quand on le cuit au four, on va concentrer tous ses goûts et ça va être magique.
Et vous allez voir que la peau, elle va cuire avec. Elle va toaster. Elle va donner des nuances un peu noisettes. Comme si vous mangez la peau du marron. Voilà. J'adore. Et surtout, on économise. Parce que si vous deviez éplucher votre petit marron, on ferait de la perte. Oui. Hein. Il y en a certains qui le feraient à l'économe, d'autres qui le feraient au couteau. Et là, obligatoirement, on fait de la perte. Là, on récupère le petit marron. On met sur une plaque. Voilà, tac, comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. On met tout. Donc, je vous rappelle une recette pour 6 à 8 personnes. OK ? L'oignon, tac, hop, ok, on épluche, on y va, c'est parti, tac, voilà, ça on épluche, donc on va tout mettre dans le plat, l'ail, l'échalote et l'oignon, tout va cuire en même temps, il n'y aura plus qu'à mixer, vous allez vous régaler. Donc là on fait attention, il y a deux parties sur l'échalote, je prends la plus petite, celle-là je la garde, ça vient plus tard. Ok, hop. On y va. J'adore. Là, c'est un plat que vous allez adorer. Vous êtes dans le love de Nono. Et je vous prépare un velouté de potimarron rôti au four avec une crème fouettée à l'amande grillée. Ouh, avec 3-4 ingrédients, on peut se faire plaisir. Un petit peu d'ail, je mets 2 gousses d'ail. Hop, voilà. Comme ceci, tac. Hop, hop, hop. Là, on écrase. Hop, on met ça de côté. Voilà, hop, très très bien. On émince. Là, regardez. L'oignon n'est pas très joli. Hop, on part. Voilà. Juste la partie qui est impropre à la consommation. Et là, on émince. On ne jette rien. On ne veut pas trop, on veut pas avoir non plus trop le goût de l'oignon et de l'échalote. Donc je mets un demi-oignon, une petite échalote. Parce que généralement, des fois dans les veloutés, on a plus le goût de l'oignon ou de l'échalote ou de l'ail que du produit voulu. Hein? Donc on fait attention. On n'en met pas beaucoup. D'accord? Ce sont des éléments aromatiques, mais on doit sentir le goût du produit. Donc c'est-à-dire le petit marron. Donc on n'en met pas beaucoup. Voilà. Ouais, sinon, en ce cas, faites une soupe à l'oignon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tac, 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 tac. Voilà, regarde, hop. On met l'ail. Voilà. Hop, on sale. Le poivre. Et alors, vous posez la question, je vais vous y répondre tout de suite. Même si je sais déjà, j'arrive à lire dans vos pensées. Pourquoi ils ne mélangent pas? Je devrais mélanger. Non, je ne vais pas mélanger, je vais d'abord saisir et colorer. Donc l'échalote, l'ail et l'oignon. D'accord, ensuite je vais mélanger, d'accord, je repasserai au four pour avoir une homogénéité. Si je commence à tout mélanger, je vais avoir des morceaux d'oignon qui ne vont pas être très bien cuits et qui vont donner un côté trop puissant. Donc d'abord je vais toaster le dessus, je vais mélanger et après hop, la cuisson sera finie, tout sera cuit et je pourrai mixer. Ok, allez c'est parti. 180 degrés, hop on y va. Et ne vous inquiétez pas, il faut que ça colore, on veut de la coloration, on veut que ça colore. Donc même si ça toaste un peu, ça grille un peu, ne vous inquiétez pas, c'est le but recherché puisqu'on va développer les goûts et les arômes de ce potimarron. Voilà, donc là vous avez vu, ça m'a demandé, hein, je sais pas, 6 minutes, 7 minutes, voilà, 10 minutes, allez, 10 minutes. Je vous ai parlé d'une crème fouettée, donc là, crème fouettée c'est quoi? C'est de la crème fleurette, ok, comme ceci, avec des amandes. Alors regardez, j'ai récupéré des amandes effilées que j'utilise déjà, généralement pour des gâteaux ou des tuiles aux amandes, ce qu'on a généralement à la maison. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'amandes entières, pas beaucoup. On a toujours ces amandes effilées, d'accord? Et ça, je vais réutiliser pour faire ma crème fouettée. J'aurais pu mettre de la châtaigne, du marron. Mais là, j'ai trouvé ça intéressant d'utiliser ce qu'il y avait dans le placard. Donc là, regardez, hop, je vais venir et je vais toaster. Là, on va amener un petit goût incroyable comme un praliné. Voilà, hop, on met tout dedans. Dedans, c'est du salé, un peu de sel. Tout de suite, je mets du poivre. Donc là, pour la cuisson du potimarron, on part sur une vingtaine de minutes. Juste une vingtaine de minutes. Plus c'est fin, plus ça cuira vite. 20 minutes à 180 degrés, on contrôle, sinon on rajoutera 10 minutes. Mais là, 20 minutes à 180 degrés.
Allez, ça fait une vingtaine de minutes, regardez le potimarron, tout a grillé dessus. Et là, regardez bien les amis, le potimarron au bout de 20 minutes, bien grillé, il est translucide. C'est là, voilà, c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il est cuit, il est translucide. Et ouais, on a fait suer le potimarron, on lui a fait sortir son eau de végétation. N'oubliez pas qu'un légume, c'est 90% d'eau minimum. Il est là, là, comme il a réduit. On avait un gros, hein, c'est comme les épinards, ça. Hop, je le sors. Alors, celui-là, c'est de compète, mais vous en avez en plastique, hein, à 40€, 49€, vous trouvez des petits blenders. Ça, ça vous sauve la vie, hein. Tout. Vous pouvez tout faire. Les mayonnaises, vous pouvez tout faire dedans. C'est incroyable. Pas que des cocktails. On peut faire aussi des belles purées. Alors, regardez, ça, ça. Pendant que, hop, je faisais cuire, regardez, j'ai fait griller les amandes. Regardez. Vous voyez, ça, c'est toasté. Alors, je ne vais pas dire torréfié, parce que torréfié, pour moi, c'est au four. Là, je les ai fait toaster à la poêle. Voilà. Et là, on a le meilleur de l'amande. Ensuite, tac, je vous rappelle quand même que c'est une recette de potimarron, velouté de potimarron grillé au four avec une crème fouettée à l'amande, pareil, l'amande toastée. Donc là, on va prendre la cuillère. On fait comme à la maison, regardez. Hop, on prend, on met dedans. Avec la peau, hein. Regardez comment il est beau. Il est cuit. On pourrait même le manger comme ça. Voilà, directement, on pourrait le servir comme ça. Mais là, je vous ai parlé d'un plat d'hiver, un plat qui va réchauffer vos corps et vos cœurs. Alors, n'oubliez pas que le potimarron, on peut manger la peau. Le potiron, on ne mange pas la peau. La butternut, on ne mange pas la peau. Pourquoi? Bah, j'ai essayé, je peux vous dire qu'au niveau de la porte de sortie, ça fait quelques égratignures. Ouais, je vous dis sincèrement, entre nous, voilà. Hein, donc, on évite. Mais le potimarron, ça passe. Oui, je vois déjà vos questions. C'est, t'en as mangé combien? J'ai essayé une fois, franchement, pour vous dire la vérité, ça m'a suffi. Hein, allez, hop. Là, vous vous dites, mais attendez. Ça va faire une purée. Donc là, je vais utiliser un ingrédient que j'adore, c'est l'eau. Regardez, l'eau. Voilà. Et comme je dis souvent, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la sauce. Voilà. Non, non, je ne rajouterai pas de bouillon de légumes, rien du tout. Je mettrai un peu de beurre. Je vais mixer sel, poivre. Et regardez, hop, attention au bruit, ça part. Alors, on a fini. Voilà, regardez ça. On a un super beau velouté. Voilà. Alors, quelle est la différence entre le velouté, du potage, de la soupe? Le velouté, il sera pour moi toujours mixé. Attention, ça va défrayer la chronique. Attention, ça va partir sur les commentaires. Pour moi, un velouté, il est toujours mixé. Une soupe, il peut y avoir des morceaux. D'accord? Un potage, pour moi... Un potage, c'est un mouliné, c'est-à-dire qu'on le mouline, d'accord? C'est qu'on a, on est un peu sur un, comme un écrasé, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a des morceaux. Pour moi, voilà la différence. La soupe, il peut y avoir, on a la soupe au chou, donc vous imaginez bien qu'il y a des morceaux. On a donc le potage. Pour moi, le potage, ce sont des légumes juste passés au moulin à purée, au presse-purée, enfin moulin à légumes comme ça. Donc on va retrouver de la consistance. Et pour moi, le velouté, il est mixé, il est fin, il est soyeux. Allez, à vos commentaires, vous me dites tout ça, vous mettez un petit pouce, la petite cloche, vous m'envoyez vos commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord sur ce que j'ai dit, mais moi je pense que j'ai dit quelque chose de correct et sensé. Putain.
Du son ail toasté, c'est délicieux. On pourrait rajouter là-dedans des épices. Mais là, on a le goût de l'ail qui est bien toasté. On arrive sur de l'oignon. On a cette côté torréfié de la noisette, de l'amande qui arrive sur un côté praliné. On a le potimarron qui vient adoucir. Incroyable. Et vous savez quoi? Comme j'ai fait toaster mon poivre sur le potimarron, on a comme si on mangeait une sauce au poivre. C'est incroyable. Alors, c'est pas tout ça, mais j'avais dit que je ferais une crème fouettée pour accompagner ce velouté de potimarron grillé au four. Donc, la crème fouettée, pour moi, c'est toujours 30% de matière grasse. 30% de matière grasse. Alors, à 15%, c'est quand même un peu compliqué de faire une crème fouettée. À moins qu'on utilise un siphon, mais je vous le dis honnêtement, pour moi, une bonne crème fouettée, une bonne chantilly sucrée, c'est toujours avec une bonne crème bien grasse de 30%. Et là. Une crème fouettée, c'est une crème bien froide, hein, toujours. Plus c'est froid, plus ça monte. Crème fouettée. On va continuer après, on va rajouter des amandes. Je mets ça de côté. Là, on va concasser les amandes au couteau. Alors ça, on peut faire ça avec des marrons, des noisettes, des noix, des pignons de pin, des noix de macadamia, des noix de pécan, de la pistache. Moi, j'ai pris des amandes effilées qui me restaient dans mon placard. Alors, ce que je veux, c'est avoir des morceaux, hein, quand même. Là, je concasse. Alors, regardez ça. Tac, tac, tac. Là, vous prenez. Alors là, il y a à peu près 60 grammes d'amandes. Hein. Il y a 60 grammes d'amandes. OK. Alors, attention, parce que l'amande, ça, quand même, ça coûte cher. Hein. Donc, 60 grammes, vous... Surtout, vous ne trompez pas dans la cuisson. Et regardez, vous continuez. Regardez comment c'est beau. Là, j'ai mis les amandes, je vais rajouter un petit peu de sel. Là, sur cette recette de velouté de potimarron grillé au four, je cherche l'efficacité, la simplicité, c'est-à-dire quelques ingrédients bons, rapides. On peut la customiser, on peut rajouter du vinaigre, on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter du vinaigre de noix, de l'huile de noix, on peut faire plein de choses. Moi, je vous montre qu'avec un potimarron, un peu d'ail, une échalote, un oignon, d'accord, un peu de crème fleurette et des amandes, on peut se faire un super plat, une entrée, un plat comme on veut. Bon, allez, OK, je sais ce qui manque. Venez avec moi. J'ai fait une recette dernièrement. Il me restait un peu de produit. Viens. On va prendre de la menthe. Allez, on va faire un test pour vous. La menthe qui est fatiguée. Alors ça, vous pouvez la faire sécher. Je rigole pas. Vous la mettez sur une plaque. Vous la laissez à l'air libre. Vous la faites sécher. D'accord? Je vous assure que c'est possible. Vous le gardez. Vous pouvez faire des huiles de menthe, du thé à la menthe. On peut faire plein de choses, des infusions. Ça, si elle est fatiguée comme ça, on peut faire une huile de menthe. Pareil, on prend de l'huile neutre. On la mixe. Voilà. Comme ça, on a l'huile de menthe. On peut la blanchir aussi. Donc, de la passer dans de l'eau. Et on peut faire une purée, c'est délicieux. Après, vous faites fondre du chocolat et vous faites avec un peu de sucre dans ce sirop de menthe. Vous faites chocolat menthe pour ceux qui aiment ça. Et vous reproduisez un petit carré, là, after, je sais pas quoi. Voilà. Et là, regardez la menthe, je vais la prendre. Alors là, très fin. On tente la menthe. J'ai jamais fait ça, de la menthe avec du potimarron. Si j'avais fait de la menthe avec des huîtres, ça avait cartonné. D'ailleurs, tous les chefs se sont rappelés. Et moi, je mets carrément la menthe dans la crème fouettée. Je suis un dingue. N'oubliez pas que tout ce qui fixe le goût, c'est la matière grasse fixe le goût, le gras fixe le goût et le sucre. Là, donc, on va fixer le goût de la menthe dans cette crème fouettée. Donc, vous noterez chez vous dans la recette un potimarron, un oignon, une échalote, trois gousses d'ail. Vous mettez un petit bouquet de menthe et puis surtout 60 grammes d'amandes. Et vous avez pris donc 300 grammes de crème liquide fleurette à 30% de matière grasse. Voilà, du sel, un peu de beurre. J'ai mis 100 grammes de beurre. Et un demi-litre de crème pour la recette. Ça fait 1 demi-litre de crème, 300 pour la crème fouettée.
vous en mettez 100 dans le velouté, 100 grammes de beurre, un oignon, 3 gousses d'ail, une échalote, un petit pompon de menthe, d'accord, ok, et 60 grammes d'amande et de l'eau du robinet. Bien. Regarde comment c'est beau ça. C'est beau. Allez, je vais vous monter un modèle de présentation d'assiette. Comme ça, quand vous recevez des invités ou si jamais vous voulez faire plaisir, votre velouté, vous le mettez dans une carafe. Vous prenez votre crème, regardez. Une belle petite quenelle, regardez. Hop, elle se tient super bien. Ensuite, vous reprenez vos amandes. Voilà, comme ceci. Et ensuite, regardez. Quenelle de crème fouettée à l'amande et à la menthe. Des amandes grillées. Le velouté, regardez. Et pour vous, messieurs, dames, ce soir, c'est velouté de petit marron grillé. Regardez. Regardez, voilà un plat de dingue. Avec 3-4 ingrédients, vous faites un velouté de petit marron grillé à la menthe et à l'amande, crème fouettée. Si ça ne réchauffe pas vos cœurs et vos corps, moi, je m'appelle pas Nono. On y va en goutte. Oh là là, ça croustille, on a l'amande qui est bien cassante. Là, on voit bien le mélange, regardez comment c'est beau. On a cette crème fouettée qui enveloppe bien le velouté. Un nuage. Ça fait du bien, un bon velouté bien chaud avec une crème fouettée comme ça à la menthe et à l'amande, c'est délicieux. Et pour compléter ce plat, vous pouvez le faire cet hiver pour les fêtes de Noël. Avec des petites Saint-Jacques poêlées, ça serait magnifique. Ouais, franchement, on se fait un kiff. On achète des belles Saint-Jacques normandes ou bretonnes. 3 pièces par personne. Franchement, ça avec le velouté autour. Ça, je pense que vous avez 20 sur 20 au guide des guirlandes et des boules de Noël. Ouais. Les amis, c'était le love de Nono. N'hésite pas, on fait le petit commentaire. Mets le petit pouce. On fait la petite cloche. On envoie ses photos sur les réseaux sociaux. Hein, vos plats en vidéo, tout ça, je vais regarder, je vais vous dire. En tout cas, cet hiver sera froid, mais grâce à ce velouté de potimarron, on aura chaud au corps.